Encore de lui, appelle notre nom, Seigneur, pour célébrer. Nous l'avons adoré.
Mabitumbanama. C'est pour cela que je te dis, il y a une différence entre la promesse et la foi.
La promesse, Dieu a fait une promesse. Mais quand Christ est venu, il a dit, Père, tout est accompli. Nous vivons par la foi. Alléluia. Amen, amen. 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 Maintenant, j'appelle la servante de la grâce. Tu vas parler de la part de l'autre. Shalom, 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 shalom les mamans, shalom, shalom, shalom les papas, shalom. Il y a un temps pour tout, et là, c'est le temps de maman, alléluia, qui ont organisé une semaine de marathon de prière, maman, avec notre thème, il y a un temps pour tout. Nous allons prier, alléluia. Merci Jésus pour ces moments merveilleux. Seigneur, que tu nous permets encore de parler à ton Père. La Bible dit, nous ne pourrons pas nous inquiéter. On peut nous amener devant les gens. Mais à l'heure même, tu mettras les paroles dans la bouche. Voilà pourquoi je viens devant toi, Jésus, afin de remplir ma bouche de ta parole, de me donner des révélations que je n'ai pas, de m'ouvrir le ciel pour lire tes écrits, pour avoir un esprit de discernement, pour communiquer à ton peuple. Nous te disons merci. Nous te confions ce moment. Nous voulons ton règne du début à la fin. Nous brisons tout ce qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Quel est le nom de Jésus, Seigneur? Alléluia. Amen. Il y a un temps pour tout éclairer. Il y a un temps de la distraction. Matthieu 26,
peut lire Matthieu 26. Vous pouvez Matthieu au cap à 100 000 la Bible allez dans Motoba. 40 à 41. Pour commencer à 39. Tomber dans tout comme il à 41. Tiki non la tout comme il Matthieu 26, 9. Amen. Matthieu 26, 39 à 41, je lis au nom de Jésus. Amen. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et qui dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez. Afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. La Bible nous parle vraiment de Pierre là. Pierre a voulu marcher aussi dans la chair. Pierre n'est pas capable de connaître sa manière de monter. Il se croyait aussi capable. Animaux qui étaient yakoki. Et Amala a dit ce malin. Si qui l'aurait coqué ne pourrait pas connaître. Là où ils étaient, Christ avait aussi ses problèmes. Et Christ était devant la prière. Et Christ était dans la prière. Devant son papa. Donc Christ était vraiment bien concentré dans son monde. Mais à un moment, il a voulu aussi sauver ses disciples. Mais les disciples étaient dans la distraction. Les disciples ne pouvaient pas. Mais Jésus savait que sans la prière, ils ne pouvaient pas s'en sortir. Voilà pourquoi Jésus, quand il a fini de prier pour ses problèmes, il a jeté les yeux vers les disciples. Et il les a dit, réveillez-vous bien. Vous n'avez même donc pu veiller même une heure. La vie de Jésus que Pierre veille. Il voulait que les disciples veillent. Il voulait que les disciples soient dans au poste. Voilà la cause que nous prions. Quand on organise les prières, tu dois être là. Parce que Jésus savait comment Pierre, tu n'as pas pu veiller. Mais comment Pierre, mais comment Jean, mais quand la tentation viendra, mais vous ne pouvez pas vous tenir. Vous ne pouvez pas vous tenir. Si on a tombé.
vous, alléluia. Amen. Parce que les pierres qui dormaient là, alléluia, qui étaient dans les possibilités, oh, c'était ce temps-là, alléluia. Alléluia. Amen. C'était l'année passée que tu n'arrivais pas à prier. De janvier à novembre, j'étais fatigué. J'avais des problèmes. J'avais des soucis. Tu mettais tout de toi avant Christ. C'est pourquoi l'année prochaine, ça ne sera pas le même. Ça ne sera pas pareil. Nous allons changer de position. La Bible me dit, le même Pierre qui n'a pas veillé, qui n'a pas prié, qui s'est endormi à Matthieu 26, si nous voyons à 69-75, on voit que Pierre affirme trois fois qu'il ne connaît pas le Christ. Donc pour voir sans la prière, nous sommes dans le chaos. Voilà pourquoi tu dois veiller. Voilà pourquoi tu dois prier. Voilà pourquoi tu dois venir à l'église. Voilà pourquoi tu dois être en position debout. Pour avoir des révélations. Pour avoir des révélations. Pour essayer de sauver ta famille. Pour essayer de sauver ta maison. Pour essayer de sauver tes enfants. Bien, c'était le cas. Bien, parler avec la chair. Le même Pierre qui a réuni Christ, la Bible nous dit dans Actes
12. Si on peut lire, s'il vous plaît. Alléluia. Amen. Il y a un temps pour tout chrétien. Et le connu, c'est un temps pour l'amour pour Christ. Tu es venu, tu as cherché le visa, tu es arrivé. En Europe. Tu arrives en Europe, tu commences à chercher les papiers. Tu cherches, tu as trouvé les papiers, tu commences à trouver, tu commences à chercher le mari ou la femme. Tu commences à chercher du travail. Tout est vanité. Et vous mettez Christ en première position. Afin que nous arrivions à quelque chose. Christ, il attend de toi. Il attend de moi. Il a laissé les disciples. Il a dit, vous là. Ne quittez pas Jérusalem. Parce que vous allez être mes disciples. Vous allez être mes témoins. Tu es témoin de Jésus. Un témoin, c'est quelqu'un qu'on peut tuer pour Jésus. Un témoin, c'est un adepte. C'est quelqu'un qui témoigne. C'est quelqu'un qui représente. Alors, ce n'est pas le cas pour Pierre. Alléluia. Alléluia. Nous lisons Acte 1, 12 à 14. Alléluia. Acte 1, 12 à 14, je viens de Jésus. Amen. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui était près de Jérusalem. Amen. À la distance d'un chemin de sabbat, quand il fut arrivé, ils montèrent dans la chambre haute où il se tenait d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière et dans l'oraison avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Parole du Seigneur. Alléluia. La Bible nous montre comment après la séparation avec le Christ. Ils étaient obligés d'aller dans la chambre haute. Parce que Christ les a signés. Ce sera mal fait si vous partez. Je vous conseille de ne pas partir. Je vous conseille d'aller dans la chambre haute. Là où on a l'habitude de se réunir. Ça, c'est Christ qui les a imposés. Ils ont obéi. Parce que Christ savait qu'ils n'avaient rien. Parce que Christ savait de la façon. Ils ne pouvaient rien faire. Ils ne pouvaient pas être des bons témoins. Christ savait. Parce qu'il était le prophète. Écoute bien ce que j'ai dit. Pour avoir des capacités, pour être rempli d'esprit, pour être assis à vos souffrances, pour être assis à vos coquilles. Entre temps, ils étaient avec Christ, ils n'étaient pas les vêtus de Christ. C'était le temps de l'homme, c'était pas le temps de Dieu. C'était le temps de eux, c'était le temps de moi. Alléluia. Voilà pourquoi Jésus-Christ leur demande d'aller attendre dans la chambre. Envoyer quelque chose qui va leur permettre à marcher, qui peut leur permettre à témoigner, qui peut leur permettre à arriver à la mission, qui peut leur donner des capacités, qui peut leur accompagner à leur ministère. Alléluia. Voilà pourquoi nous disons il y a un temps pour tout. Alléluia. Le pied qui a réduit Christ. Je ne peux plus la même chose. Je ne peux plus la même chose. Je ne peux plus la même chose.
vivre. Alléluia. Alors, Christ est allé d'abord. C'est ça ce que les disciples ont fait. Ils ont obéi. Alléluia. Amen. Je veux parler des disciples. Il y a des révélations pour les disciples. C'était les disciples de Jésus. C'était les gens qui faisaient la volonté de Christ. C'était les gens qui se sont transformés. C'était les gens qui n'avaient plus peur. C'était les gens qui ont donné leur vie pour Christ. Ils sont passés dans la chambre. Le même pied, c'était plus le même pied. Pierre rentre froid, c'était un pleureur. Mais après la chambre, c'était Pierre. Renouer Christ pour sa façon, son identité. On pourrait savoir que ça c'est son identité. On dit non, je ne connais pas. Tu es chrétien, mais tu renies Christ. À chaque fois, tu négliges chose de Dieu. Tu es tenté de renouer Christ. À chaque fois, tu es tenté de rentrer dans la déception. Le faire comme n'est pas un chrétien. Tu es tenté de renier Christ. Mais Christ, c'est seulement pas que non, je ne connais pas. Alléluia. Voilà pourquoi il a dit, restez à Jérusalem. Jérusalem qui représente l'église. Restez là. Vous allez être mes témoins. Vous allez témoigner mon nom. Alléluia. Où sont les disciples de Jésus? Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, alléluia. Dans Acte 2. Alléluia. Dans Acte 2. 37 à 41, si on peut lire. Alléluia. Amen. Oh, Jésus est merveilleux. Alléluia. Hosanna. Alléluia. Acte 2, 37 à 41, je donne Jésus. Alléluia. Après avoir entendu ce discours, il y eut notre cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres. Oh, frère, que ferons-nous? Ah non, j'ai sauté là. J'ai sauté, on n'a pas lu 2, acte 2, 2, 4. Acte 2, 4. Oui. 2, 2, 4. 2 à 4. Oui. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Mmh. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Les langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les uns des autres et se posaient sur chacun d'eux. Parole du Seigneur. Alléluia. Ils étaient ensemble. Ils demeuraient ensemble. Dans les prières. Dans la persévérance de la prière et des jeûnes. Ils étaient ensemble. Voilà pourquoi je suis content. Que nous jeûnons. Voilà pourquoi je suis content. Que nous prions. La Bible dit. Ils étaient ensemble. Tout d'un coup, il y a eu un bruit. Le Fils de Dieu est descendu. Il est assis. Ils n'étaient plus les mêmes. Ils étaient transformés. Ils étaient différents. Les gens qui les connaissaient ne pouvaient plus les comprendre. Ils ont changé de langage. Ils étaient de nouvelles créatures. Ils étaient, c'était plus eux qui vivaient. Parce qu'il y a eu un bruit. Parce qu'ils ont demeuré dans la chambre haute. Parce qu'ils étaient revêtus. De puissance d'en haut. Alléluia. Ça, le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui chasse les démons. C'est pas toi. C'est le Saint-Esprit qui guérit les maladies. C'est pas toi. C'est le Saint-Esprit qui fait les miracles. C'est pas toi. Ce n'est pas par tes efforts, ni par tes prières, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi nous devons t'aimer.
L'église est une puissance. L'église est une puissance. Parce que nous sommes mélangés. Il y a la main, il y a la tête, il y a les pieds. Donc nous formons un corps de Christ. Si toi tu ne vois pas moi, je suis. Si toi tu ne parles pas moi, je parle. Si toi tu ne pries pas moi, je prie. Nous nous contaminons. Nous cherchons un atmosphère. Alléluia, l'église est une puissance. On a parlé de temps. Le temps passé. C'est ce que tu n'as pas fait. Cette année. Même les un mois qui reste. L'année prochaine. Tu le feras. Moi j'ai dit. Depuis que je suis le corona. Je ne resterai plus le même. Pierre. N'était plus le même. Le passage de 37 à 41 là. Acte 2, 37 à 41. Alléluia. Il y a un temps pour tout. Et donc, il y a un temps de venir à l'église comme des blagues. Il y a un temps de prendre une décision. Il y a un temps de faire un feu à Dieu. Il y a un temps de se fâcher. Il y a un temps de se fâcher. Christ est sauf. Alléluia. Et comment je ne suis pas sauvé? Et tu te réformes. Et quand tu te réformes. C'est ce qu'on appelle la colère sainte. Et ça te donnera la force pour t'élever. Alléluia. Acte 2, 37. À 41. À 41, je l'ose de Jésus. Amen. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, bons frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour vous, et pour tous ceux qui seront sans au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il leur conjurait et qu'il l'exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui reçurent de bon cœur sa parole fut baptisée, et en ces jours-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Alléluia, parole du Seigneur. Ça, c'était le temps de Dieu. Ça, c'était son temps, Pierre. C'était son temps de gagner les âmes. C'était le temps d'évangéliser. C'était son temps pour aller parler de merveilles. Parce que la Bible dit, Pierre, en sortant, de la chambre, il a commencé à témoigner Christ, à témoigner les bienfaits, à démontrer la puissance de Christ, à démontrer la mort et la résurrection de Christ. La Bible nous dit il y a 3000 les mêmes pieds qui ont régné Christ. Après la chambre, il était revêtu de sainteté. Il avait la puissance, il a revêtu la puissance. Il lui a rendu capable de témoigner Christ. Pour témoigner Christ.
tu dois être capable. Si tu n'es pas capable, tu ne peux pas. Il te fait attendre dans la chambre haute pour arriver à témoigner pour faire la volonté de Dieu. Voilà pourquoi on dit le temps de Dieu. C'était le temps de disciples. Personne ne pourrait s'opposer. Personne ne pourrait aller. Personne ne pourrait l'empêcher. La Bible dit bien en prison. Là où je suis libéré. Personne ne peut s'opposer. Car le Dieu est le temps de Dieu. Ouvre tranquillement. Ouvre doucement. Tu n'as pas à lutter. Tu n'as pas à combattre. Tu n'as pas à insister. Tu n'as pas à forcer. Il n'y a pas la charnelle là. C'était le temps de Dieu. C'était le carriance. Personne ne pourrait s'opposer. On voit Paul de Tarse en prison. Alors le mur s'écroule. Quand le temps de Dieu est là, personne ne peut s'opposer. Aucune condamnation, aucune condition, même les murs s'écroulent, alléluia. C'était le temps des disciples. Voilà pourquoi je vous supplie. Alors, nous avons écouté l'histoire de Pierre. Alléluia, on a beaucoup parlé de Pierre. Mais là, on parle de temps des disciples. Quand on parle des disciples, on parle à l'église. On parle aux disciples. On parle aux chrétiens. Je m'arrête là. J'appelle le pasteur Joss pour nous amener à la prière. Qu'il soit délivré de tout le chien, de toutes les condamnations. Que nous allons donner de toi. Alléluia, Hosanna. Soyez bénis. Amen. 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 Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Alléluia. On va inclure nos têtes et parler à Dieu. Il dit ça, pendant que tu es en Zambé, que tu l'aimes. Dis à Dieu que tu l'aimes. Pendant que tu es en Zambé, que tu l'aimes. Commence à dire à Dieu que tu l'aimes. Peu importe ce que je traverse. Atao, aux amis, collés qui ça. L'Esprit de Dieu restera le même. L'amour de Dieu envers moi restera le même. Dis à Dieu que je t'aime, Seigneur. Non, parle à Dieu, parle à Dieu. Le temps peut être compliqué. Le temps de Dieu arrivera. Le temps de Dieu est différent des temps des hommes. Lorsque le Seigneur s'élève, il met tout le monde d'accord par rapport à ce qu'il fait. Et dit, j'agirai qui s'opposera. Lorsqu'il décide de faire quelque chose dans ta vie, dans ta famille, dans ta santé, rien ne reste le même. Parce qu'il est un Dieu souverain. Non, quoi qu'il est un Dieu qui guérit, qui s'appelle Jéhovah Rapha. Lorsqu'un racheté adore le Seigneur, il adore parce qu'il a vécu de choses. Lorsqu'un ange dit à Dieu qu'il est Jéhovah Rapha, mais ne comprend pas la douleur. Il ne comprend pas la douleur de la stérilité. Il ne comprend pas la douleur de la perfusion. Il ne comprend pas la douleur de l'opération. Mais un homme un racheté a dit à Dieu que tu es Jéhovah Rapha, il comprend que j'ai été alisé. J'étais au lit, j'étais malade, mais ta main m'a touché. Je reconnais que tu es Jéhovah Rapha. Dis à Seigneur que je t'aime. Seigneur, je t'aime. Dis à Dieu que je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Oh Yahweh, je t'aime, reçois la gloire. Peu importe les situations, je m'attacherai à toi. Je peux sourire aujourd'hui parce que tu as voulu ainsi. Je ne lèverai jamais les gens.
Je verrai toujours la main de Dieu derrière. J'attendrai ton temps. Le temps de Dieu est meilleur. Il y a un temps pour toutes choses. Ce qui commence à un temps. Ce qui commence à un début. Et toute chose a sa date de péremption. Dieu est souverain. Dis Seigneur, je t'aime. Peu importe la fin de laquelle je me trouve. Peu importe la situation que je traverse. Je suis convaincu qu'il prendra fin un jour. Le problème n'est pas d'envoyer le méga. Le problème a un début et une fin. Le temps est contrôlé par toi, Seigneur. Mais cet après-midi, je prie que tu accélères le temps en ma faveur. Que tu accélères le temps en ma faveur. Non, parle à Dieu. Il nous reste 5 minutes que tu parles à Dieu. Tu es venu dans ce programme pour que le Seigneur accélère le temps de faveur pour ta vie. Non, Anne a vu une histoire. Anne a touché Dieu par son problème. Les gens ont parlé. Pénina a parlé. Mais le Seigneur a eu un temps où il voulait honorer Anne. Mais laisse-moi dire à quelqu'un, tu n'es pas Anne, tu es toi. Mais cet après-midi, parle personnellement à Dieu. Que le Seigneur t'écoute. Que le Seigneur t'écoute. Parle à Dieu. L'envoi dans mon livre habitude est présent ensemble. Peu importe ce que tu traverses. Parle à Dieu. Dieu est présent. Il est la personne la plus précieuse. S'il est là, il peut encore changer le temps. Si Dieu est là, il peut encore ordonner par rapport au temps. Il n'est pas dans votre voisinage. Le Seigneur ne dépend pas de toi qui n'est pas là. Il dépend de toi. Parle à Dieu. Ça peut durer. Mais le Seigneur peut le faire. Parle à Dieu. Rabba Shabra Imando Robosata et Rabba Sopra Yamande Lebosa. Au nom de Jésus. Et Pariba Souprade. Alléluia. Il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour pleurer. Un temps pour se réjouir. Un temps pour s'aimer. Et un temps pour récolter. Mais tu as assez longtemps pleuré. Je déclare que tu es en train de commencer à arriver. Tu as longtemps pleuré. Il y a un temps que tu veux essuyer tes larmes. Que le Seigneur accélère pour cela. Accélère, Père. Au nom de Jésus. Jusqu'à temps, Seigneur.
jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur? Je suis convaincu. La Bible me dit, tu es le maître de temps et de circonstances. Le roi n'est pas le maître de temps. L'argent n'est pas le maître de temps. Mais c'est toi, ô Dieu, qui gère les temps. Qui gère les temps. La Bible déclare le cœur de roi. Les cœurs de roi sont entre tes mains. Courant d'eau, tu la déverses où tu veux. Je prie ce soir que tu déverses le cœur de roi à la faveur d'une femme, à la faveur d'une femme, à la faveur d'une famille qui a longtemps souffert, qui a longtemps pleuré, qui ne porte souffle. Comme tu as dit à Jean, j'ouvre devant toi. Que personne ne pourra fermer. Dans ce temps, nous prions au nom de Jésus qu'une porte de faveur s'ouvre, que ma femme ne pourra pas fermer, qu'une porte de guérison s'ouvre. Accélère ma vie en mon côté. Accélère ma vie à mon côté. Par le nom de Jésus. Accélère cette écoute. Amen. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Amen. Que
Dieu bénisse ce programme. Que l'Esprit vous accompagne. Amen. C'est vrai, c'est vrai, c'est bien de venir se ressourcer dans la présence de Dieu. Donc tout ce que maman Brigitte a dit ici, le plus important c'est avoir soif de Dieu. Amen. Rien dans l'œuvre de Dieu n'est le produit d'un Big Bang. Là où tu veux aller avec le Seigneur, il y a toujours de la soif que tu as de Dieu. La soif, c'est quoi? C'est la capacité que chacun a d'avaler quelque chose. Il y a d'autres personnes, leur soif, c'est une bouteille d'eau. D'autres, c'est 5 litres d'eau. D'autres, c'est un maille. Il y a d'autres, 30 minutes d'appel, ça les suffit. D'autres, une heure. Mais c'est lui qui pratique la prière. Doit faire au moins une heure dans la présence de Dieu. C'est même ça que ce que Jésus a demandé à Pierre. Vous ne pouvez pas tenir une heure avec moi. Tu n'iras jamais loin de la présence de Dieu, plutôt dans l'œuvre de Dieu, sans une soif. La présence de Dieu. Tout est faculté à posa, nous tous avons la présence. Tout ce que tu attends d'autre faire, de la soif que tu as de chercher Dieu. Amen. Dans ton magicien, on t'a la présence ensemble. Si c'est Dieu qui fait ça, tu le feras aussi. Amen. Le programme continue. Mais mercredi et jeudi, ils ont un Zoom. C'est sur Zoom à partir de 18h30 à 20h. Si tu as le temps, même si c'est un programme vraiment attaché à mon département et à ma maman, mais papa assisté. Alléluia. Il y a un programme d'église. Mais ma maman va la direction. Alléluia. Pour battre, elle aura maman, papa va te rater. Alléluia. Soit si tu as le temps, au côté, mercredi, là jeudi, déjà la Zoom, de 18h30 à 20h. Et puis vendredi, le 2 décembre. Amen. Si tu as le temps, est-ce que vendredi, vendredi, programme, ils ont les Sika Oye à partir de 18h30. Vendredi, nous serions ici à partir de 18h30. Et puis samedi, notre dernière montagne de prière, il y a année 2022. Oui, pour ce qui est la souka, il y a ma bonne délire. Amen. Le premier, le samedi, ça. Samedi, là, le 3 décembre. Donc, dernier, d'abord dans la janvier. Donc, le 3 décembre, montant de prière. Notre dernier montant de prière, il y a année 2001. 22. Quand il y a atmosphère, maman va bonger ici, dans la semaine. Unissons tous l'atmosphère que les mamans ont organisée pour venons ici, le samedi 3 décembre, avec la soif. Il y a une charge, nous allons laisser l'Esprit nous diriger. On va se soumettre à la direction du Saint-Esprit. Amen. Comme j'aime toujours dire, viens dans la prière, avec la soif de voir Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Acclamons plus fort le Seigneur. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Dans toutes choses, nous sommes plus que vainqueurs
par celui qui nous a aimés. Qui? Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi ne pas l'acclamer? Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom. Oui.